Il n'aura pas fallu longtemps à la gauche rouennaise pour se mettre d'accord sur une liste commune. Dès lundi, Yvon Robert, tête de liste Notre Force, c'est Rouen, et l'écologiste Jean-Michel Bérégovoy, liste Décidons Rouen, ont annoncé leur fusion. Un accord préalable avait déjà été conclu avant le premier tour. Nous avons beaucoup travaillé toutes ces dernières années. Nous avons beaucoup travaillé avec une très grande connaissance de l'autre partenaire. Et donc nous savons où nous allons, nous savons la ville que nous voulons, une ville très attentive aux citoyens, très attentive aux problèmes de ses citoyens, une ville durable, une ville solidaire, une ville attractive, une ville qui compte et qui se développe et qui bâtit un avenir. La liste commune Notre Force, c'est Rouen se compose de 25 socialistes, 11 membres de la liste Décidons Rouen et 6 communistes, soit 42 élus. 11 sièges, c'est ce que nous donne l'arithmétique. Je crois que c'était important, c'était pas de faire la course aux sièges, mais plutôt, me semble-t-il, d'avoir un vrai poids dans l'exécutif. Et je dis pas ça parce que nous serions absolument intéressés par les postes. J'ai moi-même démissionné d'un poste d'adjoint il y a 3 ans. Mais de retrouver une place importante dans l'exécutif avec 5 adjoints et 3 conseillers municipaux délégués, ça veut dire que non seulement on a pensé la politique autrement, mais on va mettre cette politique autrement en action avec des réels moyens. Les listes en vue du second tour ce dimanche 30 mars devaient être déposées ce mardi en préfecture avant 18h.